Come on. Oh oui. Oh oui. Oui. Yeah. Let's go. Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je suis très très content parce que ça repart enfin en trip. Et on part en Tour de France, j'irai tracer chez vous, on y a pensé, on vous a proposé l'idée, vous êtes trop trop chaud. Du coup ça part maintenant, on part à votre rencontre, let's go. Après 18 ans de vie à Rennes, je quitte enfin Rennes. Ça va? Let's go. Chouquet en voyage, c'est fou. Allez, ça part, let's go. Eh hey, Rennes, vous ne manquerez jamais de votre vie. Hein. Moi je pars, là je pars, après 18 ans de vie. Wouh. Eh hey. Let's go! Enfin, putain! Enfin, mec! C'est exactement comme toi, hein. Ah oui? What's up? Et hop, hop, hop! C'est quoi ces lunettes là? Comment? Oh la vie d'artiste! Mais à Max, c'est quand même. Oh, c'est incroyable! Je suis coincé! Scoot dev. Scoot. Non, abuse. Quand même pas. On s'attend à tout avec lui. Il y a les chasseurs qui tirent des balles, il y a les cloches qui sonnent. C'est quoi ce réveil? Ça sonne 3 fois de suite, tu te dis ok c'est bon c'est fini, tu te rendors, bam, ça ressonne. Terrible. Ça sonne cool. Du coup là on est arrivé à Bordeaux, après pas mal d'heures de route, on va rejoindre la jam. Et cette nuit on a dormi en camping sauvage, du coup c'était un peu compliqué. Mais ce soir on est hébergé, du coup ça c'est trop cool. C'était l'objectif du Tour de France, c'était de rencontrer un maximum de personnes. Et là c'est que le début, c'est la deuxième date, du coup on est au spot de Mériadec et on va se régaler. Yo. Salut. Bon là on a fait connaissance avec tous les abonnés qu'il y a sur le spot. Yo. On a Mériadec aujourd'hui avec la team. Voilà. Non. Hello. Ça part en challenge? Vas-y. Yes. Voilà, c'est challenge plio pour Léo. Faut sauter où dans la vie? Yes! Oh, c'est quoi cette fin? J'adore! Ah, le génie, c'est un génie! Grave clean. Yes. Allez. Yes. Let's go. Bon, on est à Mériadec et on a trouvé un sacré gap. On est en train de regarder ça avec Shukai. L'idée c'est de venir ici et d'atterrir là. Bon, en vrai, ça se fait. Hein. Bon, juste ça que c'est un peu trop haut pour le front. C'est vrai, t'es combien de pas? Oh, je viens de penser à un truc là. Oh la dinguerie! On pourrait sauter. Sur un bus du pont là-bas. Viens, on va regarder si c'est possible. Mec, c'est trop faisable. C'est juste qu'il faut que quelqu'un traverse en même temps en fait. Je suis grave chaud de le faire moi. Je suis grave chaud de le faire. Oh, ça peut être vraiment stylé. Ouais, le sprint. En fait, l'idée là, c'est que le bus il passe juste en dessous le pont. Et dans l'idée, il faudrait que genre quelqu'un
traverse ici là. Genre on fait tous nos lacets au milieu comme c'est ça le retarde saute. Encore. Ils veulent sauter sur un bus, il faut qu'il... sauf qu'il n'y a pas d'arrêt de bus donc il faut qu'il y ait un gars qui l'arrête. Ouais ils sont fous ouais. Ils sont complètement fous. Je le cage. Attends. C'est quoi? Il est complètement malade. Attends, en cage, attends. Il veut faire cager et arriver sur le bus. Il y a Shukai. C'est quoi cager? C'est un malade. C'est Kongener. C'est un malade. Ah, j'adore. Mec, ce serait... ah, je suis complètement fan. Bon, il y a plusieurs incertitudes. Il faut qu'on voit s'il n'y a pas des genres des fenêtres en mode plexiglas ou des trucs comme ça sur le toit du bus parce que ça peut se transpercer. Il faut que ce soit vraiment du toit solide. Donc là, on attend le prochain bus et on va voir. On va pouvoir repérer un petit peu. Oh, c'est parfait. Bah j'en dis que ça va être une belle dinguerie encore une fois. Ça a aucun sens en fait, déjà dans un premier temps. Faire un Kongener en arrivant sur un bus. Genre je sais pas qui a pensé à ça déjà dans sa vie. 12 minutes. Prochain bus dans 12 minutes. C'est quoi? Une spécialité de Bordeaux. Les cannelés. Merci Ophélie qui nous héberge ce soir, elle nous offre même des cannelés. Non. Ophélie. Meilleure route. Le truc qui est fou. C'est que je viens juste de me rendre compte qu'il y a des barrières ici là. En soi, on va le retarder de 30 secondes. C'est juste histoire qu'il fasse son truc. Et après, au pire, on expliquera au chauffeur que voilà, c'était juste du parcours et tout. Du coup, là, on a 9 minutes pour faire des preps cagés, remonter sur le pont pour le prochain bus et faire bas cagé sur le bus. Et on a 9 minutes pour ça. Let's go. Mec, c'est bon. Oh là là. On va voir. On y va. Ouais. Bon, là. Là c'est pas rien ce qui va se passer parce que Kongener sur un bus, là il y a de l'enjeu. Il faut qu'on l'arrête au bon moment, il faut que Shukai il se sente parfaitement bien pour l'envoyer. On va prendre le temps de faire ça bien. On vous encourage pas à refaire ça évidemment, Shukai il est hyper entraîné pour ce genre de moment. Et du coup c'est pour ça qu'il se permet de se lancer dans ce genre de défi. Tu tournes Shukai. Il y a les gars qui sont en bas, ils sont avec leurs barrières, tout le monde est prêt. On attend juste le prochain bus. J'ai l'impression, vous imaginez même pas. Ça fait au moins 40 minutes qu'on attend le bus. Et là, c'est bon, je pense. Hein. Je pense que ça part maintenant. Eh les gars, on vous fait confiance. Hein. Vous le bloquez quoi qu'il arrive. Hein. Parce que... Il y a le bus. Ok, il y a le bus là, les gars. Top les gars. Arrêtez-le. Oh oui. Encore. Vas-y, ça part. Vas-y, Shukai. Il bouge pas. Non, il bouge pas. Il est arrêté, promis. Allez, Shukai. Oui. Et Shukai. Je t'ai pas fait mal. Non, c'est bon. Putain, vous êtes les boss, bravo les gars. On pleut, ça pleut quand même. Genre, quand vous pouvez caler un tricks, on calait. Oh la vache. Ça glissait de fou. Le sol, il glissait de fou. Ce que t'es génial, c'est que les gars, ils faisaient des tricks devant le bus. Pour lui montrer, ouais, on fait un spectacle. Et là, il y a un mec qui pop sur le toit, genre, ça a aucun sens. Est-ce que vous avez vu la personne qui a sauté sur un bus tout à l'heure? Non. Vous voyez? C'est dans le sport habituel. Là. Oui. Hop. Ah, vous voyez rien. Je comprends. J'ai un problème aux yeux. Ah, vous avez un problème aux yeux. Ah, ouais. Moi, en plus, il y a le soleil là, ça éclaire beaucoup. Ça s'appelle DMLA. DMLA? Ok, bah, je vous décris la scène. Il y a eu un bus et il a sauté dessus, quoi. Ah oui. Ouais. Ah ben c'est extraordinaire. Bah ouais c'est extraordinaire. C'est quoi votre prénom? Claudine, bah c'était un plaisir Claudine. Au revoir Claudine, on vous embrasse. Bon, je suis tellement heureux d'avoir fait ce Kongener. Franchement c'est ouf. Genre avec Mathieu, ça partait d'un saut. Et je me dis, pourquoi pas en cager en vrai. C'est un lancé dingue autour de France. Je vous promets des grandes choses les gars. Je compte vraiment éclater les spots. Ça, je vous le dis.
Bon là, la jam est terminée, ça faisait vraiment trop plaisir d'avoir fait participer tout le monde là pour arrêter le bus. Ça c'est des moments qu'on kiffe de ouf, de, bah, voilà, de, d'échanger avec les gens et de, d'avoir des moments vachement spontanés comme ça. Et là on va aller à un petit spot de baignade qui est pas loin de Bordeaux. J'ai pris une petite pastèque qu'on va manger et on va se baigner. On est sur la route d'un lieu qui est très très stylé, où on est déjà allé dans une autre vidéo, je dis pas laquelle, ceux qui connaissent bien ils la reconnaîtront. Et voilà, on continue le tour de France, donc là c'était Bordeaux et on va passer par plein d'autres villes. Et toutes les infos du tour de France sont à retrouver sur le site qui s'affiche juste ici là. Donc si jamais, je leur dis dans cette vidéo parce que c'est vraiment génial, si jamais vous souhaitez nous héberger ou nous filer des spots, vous pouvez nous envoyer des petits messages sur Insta, genre des DM avec des photos, machin. Et puis voilà, normalement vous avez toutes les dates, vous pouvez vous organiser. Mais voilà, on compte sur vous pour nous proposer plein de lieux, plein de spots. Ça peut être des spots de camping sauvage, des spots de cliff, de parcours, des trucs insolites, des trucs où je sais pas, vous vous dites oh, il y a un bon shooting photo ou n'importe quoi. Nous on est preneurs de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre Insta qui s'affiche juste ici. C'est stylé ou quoi? C'est trop stylé. Du coup, t'es bien haut, mec. Oh oui! C'est double du coup! Hop là! C'est lui qui va double! Vas-y, ça part! Ah oui! Tu me donnes assez moi. Fort! 2, 1! Ouais, ce lieu il est vraiment génial, c'est incroyable! Chaque fois que j'y reviens, je me dis que c'est fou quoi! Bon ça y est, on a terminé la petite session cliff et là on va aller dormir chez Ophélie qui nous héberge ce soir, donc ça va être stylé. En vrai le Tour de France il commence super bien. Ouais. Une bonne journée qui est partie là. C'est vrai. Et là maintenant on va dormir chez Ophélie, ça part. 114 mètres carrés de maison, juste pour nous, ça fait plaisir. On fait des restarts là, là on fait les restarts là. Les restarts, là, on... c'est du verlan avec aussi la suite du mot des restarts. Bienvenue à tous. Bonjour, je suis le colocataire, vous n'avez pas intérêt à faire de bruit. Allez-y. Wow. Oh, incroyable. Oui. Elles sont bonnes. J'ai réussi ma mission.